Salut à tous, on se retrouve sur Hearthstone pour un match contre un abonné. Donc c'est un match que j'ai fait contre TheXenon93. Parce que j'avais envie de tester un deck que je m'étais construit 10 minutes auparavant. Donc c'est un deck voleur qui s'appelle Maligod, vous allez comprendre pourquoi. De mémoire, lui jouait un démoniste. Oui voilà, c'est ça, un démoniste. Alors, je suis deuxième joueur, ce qui fait que je peux essayer d'avoir l'agent du SI7 qui comboterait avec la pièce. Donc je garde juste l'ingénieur novice pour m'aider à créer un combo, vu qu'elle coûte que 2. Et là, je chope agent du SI7 et attaque sournoise qui combattent très bien entre deux. Donc on verra, si un monstre avec 4 d'attaque, 4 de défense, pardon, je fais attaque sournoise et agent du SI7 et je le tue. Et s'il n'a que 2 de défense, enfin 2 de vie, à ce moment-là, j'ai juste à faire pièce agent du SI7. Donc le voleur a un gros avantage quand il est deuxième joueur. Donc là, on voit que le démoniste pioche. Donc ça me faisait penser à un démoniste contrôle avec des géants. Là, soit je fais ma dague, soit je commence à piocher. Donc j'opte pour la pioche. Au passage, il y a Silent qui me disait qu'il avait eu le Baron Guédon. Donc c'est une des légendaires qui me manque. Alors, voile de mort de la part de Xenon93 qui lui permet de piocher. Et là, il met un Diablotin de sang qu'on voit rarement dans les decks démonistes. On plus souvent utilisé avec la jeune prêtresse qui est une 1-2 qui permet de mettre 2 points de dégâts. Donc là je disais qu'il manquait encore Sylvanas et le Baron Guédon. Donc là je peux pas tuer sa créature qui est camouflée, mais l'avantage c'est que là il a pas mis autre chose, donc le point de vie du Diablotin n'a pas été donné à une autre créature sur ce tour-ci. Et là il met un Sengin, donc j'étais assez surpris. C'est pas un démoniste aggro, c'est pas non plus un contrôle avec des géants, c'est un peu entre les deux j'ai l'impression. Donc là, Xalent, on parlait de la nouvelle carte du druide qui est sortie le jour où je faisais le combat. Donc qui pour 4 fait transformer tous les serviteurs du terrain en train en 2-2 pour ceux que ça intéresse. Ce sera disponible dans l'extension qu'on attend avec impatience. Donc là je mets mon âge de Santanos pour avoir une attaque sournoise à 3. Ensuite j'utilise ma pièce pour avoir 3 de mana et mettre l'agent du SI7 qui, comme il y a eu des cartes avant, inflige 2 points de dégâts quand il rentre en jeu. Et je finis avec ma dague pour en finir avec ce Sengins. Ensuite, je regarde les cartes que j'ai. Donc j'ai une préparation, un casse-tête. Donc cette carte, quand elle joue en combo, revient dans la main. Et ça inflige 2 points de dégâts au héros. Trahison que j'ai utilisé par la suite, vous verrez ce que ça fait. Le Drake Azur qui me permet de piocher. Et le Sprint pour 7 qui me permet de piocher 4 cartes. Donc là, il met un Diablotin de flamme. Et il met un Sengin. Là, petite erreur, mais vous pouvez pas le savoir, c'est à ce moment-là, il fallait mieux le mettre de l'autre côté, mettre le Diablotin qui est camouflé au milieu. Parce que là, j'ai un coup assez sympa avec Trahison. Donc ça permet, ça force un ennemi à infliger ses points d'attaque aux deux créatures à côté de lui. Donc comme ça, j'en finis avec son Diablotin camouflé. Je peux trader le Sengin avec l'agent du SI7. Et là, je peux aller finir son Diablotin avec ma créature et ma dague. Au passage, ça me refait piocher avec le râle d'agonie. Et j'utilise le casse-tête qui va infliger 2 points de dégâts au héros et qui revient dans ma main puisque c'est joué en combo. J'aurais peut-être pu faire ma dague aussi, mais bon, il a 23 points de vie, j'en ai 24. J'ai pas une main vide, hein, j'ai quand même bien pioché. Alors, il utilise un inventeur gnome, encore surprenant pour un démoniste, c'est pas souvent joué. Et un dragon féerique. Donc là, il a 5 points de dégâts sur la table. Il m'a pas encore mis trop cher. Là, je pioche Maligos. Hein, le deck a été créé pour cette carte. Donc là, vu qu'il y a que 5 points, je me dis, je vais mettre Cairn. Ça va l'embêter. Je sais pas si jouer des silences ou pas. Donc c'était l'occasion de voir. Et Kate peut aller chercher toutes les créatures. Là, il utilise un siphonné lame. Bon, ça me convient puisque il y a Bane qui apparaît. Il utilise un feu de lame. Et ça vire une créature à 6. Et là, il trade avec son ingénieur. Et je prends 3 points de dégâts. Donc je suis à 21, il a 26. Mais j'ai pas mal de cartes, pas mal de solutions en main. Donc là, je vais aller avec mon Drake Azur piocher.
Je vais faire ma dague. Parce que je peux pas les viscérer, hein. Cette créature n'est pas ciblable, c'est la grande force du dragon féerique. Donc là j'hésitais à utiliser préparation, mais bon c'est pas vraiment rentable vu que le sort ne coûte 1. Donc je vais reprendre 3 points supplémentaires dans la tête, sauf s'il trade. Et on s'approche tout doucement de Maligos. Donc là il se soigne. Et il met un défenseur d'Argus. Alors là il va pas trader. Le Drake Azure, bon il a peut-être raison, c'était pas un trade favorable pour lui, mais bon, dégâts des sorts augmentés, ça va faire mal. Donc là je mets mon poison et je vais faire un déluge de lames qui va faire 4 de dégâts à toute la table, même au héros, enfin, sauf à mes créatures. J'utilise le casse-tête qui maintenant inflige 3 puisqu'il y a dégâts des sorts plus 1, plus 4 avec le Drake Azure et ma dague. Il a 17 points de vie et au tour prochain je peux jouer Maligos plus j'ai une préparation en main. Donc Maligos qui fait dégâts des sorts plus 5. Vous voyez déjà que là rien qu'avec le Drake Azure, l'éviscération est à 5 en combo. Il rejoue un dragon féerique. Et il pioche. Il se met donc à 15 points de vie et j'ai de quoi faire 15 points de dégâts. Donc pour la forme je vais jouer Maligos. Et là je vais faire préparation pour avoir le sort gratuit. Et une éviscération qui met 10 points de dégâts, plus 4 du Drake Azure, plus 1 de ma dague. Et je le finis comme ça. Donc voilà, c'était juste histoire de changer un peu de deck. Je voulais vraiment essayer Maligos que j'ai crafté il n'y a pas longtemps. J'espère que cet épisode vous aura plu et moi je vous dis ciao à tous.